décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Notamment, les bars et restaurants seront fermés. Qui c'est qui reprend les vlogs? C'est Bibi qui reprend les vlogs. C'est reparti pour les montages quotidiens. Ça va être compliqué. Alors, c'est une première journée de confinement. J'ai décidé finalement de rester chez mes parents. Si vous n'habitez plus chez vos parents, vous savez ce que c'est. Du coup, quand t'as réussi enfin à choper de la liberté, que j'ai depuis maintenant très longtemps, parce que j'ai 30 ans quand même, je suis partie à 18 ans, et ben c'est toujours dur de revenir. Enfin, tu te rends compte que tes parents, ils ont pas la même vie, mais c'est tout à fait normal, comme toi tu n'as pas la même vie qu'eux. Tu t'es construit à côté aussi, donc c'est toujours rigolo. Et c'est toujours compliqué de revenir parce qu'il faut se réadapter. Après, moi ça se passe très 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 bien avec mes parents. Enfin franchement, j'ai aucun problème. Enfin, faut juste le petit temps de réadaptation où tu dis ok, vas-y, je suis partie pour un mois à vivre chez mes parents. Donc voilà, ça me fait toujours ça, mais ça m'avait fait ça au premier confinement. Au premier confinement, j'étais vraiment en mode oh non, donc là je repars pour un mois avec mes parents. Et en fait, j'étais trop contente de l'avoir fait parce que ça me fait plaisir aussi de passer du temps avec eux. Et ça fait quand même plaisir de pas être toute seule. Enfin, vous voyez la gueule de mon appart, c'est un appart qui fait 25 mètres carrés. Il y a des souris, des MTC. Ça fait le bordel, donc bon, c'est pas plus mal de ne pas être seule. Et aussi pour Gégé, parce que ici il y a un jardin et il y a la forêt à côté, donc c'est quand même génial qu'il puisse aller courir et tout ça, parce que à Paris là les parcs, je pense qu'ils ferment. Je dis ça mais je suis pas certaine, mais en tout cas au premier confinement ils avaient fermé, donc je me dis c'est bien mieux pour lui qu'on soit ici. Mais j'ai comme un sentiment quand même que ce confinement, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout pareil que le premier. J'ai l'impression que les gens ils sont vraiment en mode rien à foutre. Enfin déjà mes parents ils bossent, bon ma mère c'est normal, elle est avec les enfants, elle avait déjà travaillé au premier, mais mon père il est assureur, et enfin en vrai je comprends pas qu'il fasse pas du télétravail. Moi de toute manière j'ai la chance de faire mon emploi du temps comme je veux. Ce qui a le mauvais côté de faire que je me réveille ce matin à 11h. Je galère. Pourtant, j'ai une liste de choses à faire qui est d'ailleurs à côté de moi. Oh, je te dis pas, tout ce qui est en noir là, c'est ce que je dois faire. Oh. La vérité, c'est que là, je suis dans un état. Il est hors de question que ça fasse comme le premier confinement où j'étais dégueulasse tout le temps. Donc là, j'ai décidé de continuer à me maquiller, à m'habiller et tout. Mais physiquement, j'ai pris un coup dans la gueule. En plus, j'ai plus de crème, j'ai plus rien. Genre là, j'utilise ce truc-là qui est un truc de nuit. J'ai plus d'huile, j'ai plus rien. Parce que en plus, j'ai rien pris de Paris. Moi, je pensais que j'allais repartir à Paris. Enfin bref, je suis dans un état, je vous dis pas, ça me fatigue. Premier jour de confinement, j'ai déjà des boutons. Oh non, ça va pas du tout, ma chérie, t'es dégueulasse et tu te mets du mascara partout. Oh non mais, regardez ce que je viens de faire. Il y a tellement de bordel partout que je sais pas par où commencer. Ah bonjour mon Jérôme, qui décide de plus dormir avec moi. Bonjour. Bonjour les chiens, vous allez bien? Bah oui. Oui. Allez, va faire pipi. Oui. On va faire les choses dans l'ordre. On va faire d'abord tous les trucs qui décident de sortir. C'est-à-dire aller promener les chiens. Là, tu verrais, il y a Franklin qui est devant moi. Regarde, il est vraiment en mode... Elle a dit promener là, non? On va d'abord promener les chiens.
Ah, j'en peux plus. Hein? Tu veux aller promener? Oui, oui. Oh, oula! J'avais oublié ça. C'est chiant. Parce que moi, je promène les chiens deux fois dans la journée. Et puis, vous me stressez les deux, là. Non, mais regarde. Il y en a un qui est là. Et il y en a un qui est là, en mode, allez, dépêche-toi, là, d'écrire. Me stressez pas, parce que j'en peux plus. On est revenu, très honnêtement, je n'ai même pas pris l'appareil photo, parce que les deux, je vous jure, c'est pas possible, quoi. Oh, ils sautent sur tout le monde et tout. Jérôme n'est pas comme ça. Enfin, Jérôme, il est un peu névrosé, il fait des trucs comme ça, des fois. Mais là, quand ils sont tous les deux, c'est un enfer. Franklin, il avait la crotte au cul, j'ai dû laver le cul, enfin, bref. Franchement, c'est une galère de chien. Enfin, je pense que quand t'as deux chiens hyper bien élevés, c'est pas une galère. Mais quand t'as deux chiens comme lui, là, et comme l'autre qui est parti, ça, c'est galère. Enfin, bon. Je suis sur une enquête qui est... Viens voir, Francky. Regarde. Non, non, non. Il se barre, parce qu'il sait très bien. Je sais pas si son cul... Il a des gros problèmes au niveau... Ah, bah, il veut... Tiens, il s'est caché. Il a des gros soucis au niveau du cucu. Ah, mais il viendra jamais. Monte ton cucu. Et en fait, je sais pas si c'est une feuille ou du caca. Il grogne, il va me sauter dessus. Mais c'est pour toi. T'es méchant, hein. Tout le monde voit que t'es méchant. Mais Franklin, t'as une feuille dans le cul, on va peut-être la retirer quand même. Oh putain. En fait, je crois qu'il a une feuille. Et en plus, par-dessus la feuille, je crois qu'il y a du caca qui a coulé. J'en peux plus. Franchement, tu vois, j'adore les chiens à poils longs. Je trouve ça trop beau, mais en fait, un entretien, c'est trop chiant. Voilà, ça va être, ces vlogs vont être composés de commentaires sur les chiens. Et en vrai, là, à chaque fois qu'il chie, à chaque fois, il se chie dessus. À chaque fois, soit faut qu'il aille à la douche, soit vas-y, qu'on le trifouille le cul avec du papier cul sopalin et tout. C'est un enfer. Et là, le mec, je crois qu'il s'est... Il a dû poser son cul et il a dû poser son cul sur une feuille. Du coup, il a emmené le feuillage, quoi. Pff, un peu plus, moi. L'autre, il a la forêt dans le cul. C'est n'importe quoi, je suis en train de préparer la mountain. Bon, j'ai pas réussi à dormir, on s'en branle. Et il y a une partie qui est dans la voiture. Les deux chiens, forcément, quand tu rentres dans une voiture. Non, mais regarde-le, l'autre derrière, là. Mais c'est ridicule, vous êtes pathétique, quoi. On a pour 2 minutes. Oh là là là, moi je peux plus. J'ai marre. Pour la mountain, je voulais péter le toit, tu sais, pour faire genre. Sauf que je sais pas ce qui marque. Il marque cloison inférieure, j'arrive pas. Non, mais c'est pas possible que même chez moi, j'ai des problèmes avec les bagnoles. Après les vannes, j'arrive pas à péter le... Enfin, à péter le coffre, non. J'arrive pas à faire péter le toit, là. Amener la cloison de coffre à bagages dans la position inférieure. Et puis, eux, ils m'énervent, là, derrière. Arrêtez de vous exciter, là. Bon, bah, écoute, tant pis, il y aura pas de coffre ouvert. Tant pis, allez, hop, il y aura pas de... De toute façon, il fait froid, il pleut même, donc pas plus mal, allez. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai mis un temps fou à faire la mountain parce que j'avais plus de batterie. Du coup, il me restait genre 2-3 prises à faire. Du coup, je rentrais, je mettais la batterie, je le faisais. C'est insupportable. Mais là, c'est bon. La mountain est terminée. Il est plus de 17h. Je dois aller chercher ma maman qui finit le travail. Bref, qui a pas de voiture, c'est hyper compliqué. Tu sais, la voiture qui est au garage de machin. Enfin, non, elle est pas au garage, mais bon, je vous ai peint tous les détails. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là là! Donc là, il me reste une petite heure pour travailler encore un petit peu. Je vais faire le montage de la Moon Dance. Et ce soir, en revenant, je ferai les livres. C'était une grosse journée. Franchement, là, j'ai... Bon, après, j'ai bien dormi ce matin aussi. Mais, pour te dire... Dis donc, j'allais faire le montage, là. Je me suis assise au sol. Et j'ai réfléchi. Y a pas un truc que j'aurais oublié de faire par hasard? Si. Le sport. Du coup, il est 17h16. Je dois partir dans... une heure, me dit, est-ce que plus tôt je ferai pas mon sport, comme ça c'est fait. Le montage, tu vois, la mountain c'est lundi, les livres, j'ai tout le week-end pour les envoyer, vu que d'ailleurs la connasse de poste, elle m'a pas appelé. Putain, ils habitent, putain, il est 17h17 et j'ai 17% de batterie. Ça a l'air quoi le symbole 17? Oh yeah. Ça veut dire qu'il faut que je fasse mon sport. Allez, là je me motive. Je suis pas sûre de pouvoir bien vous le filmer, parce que pas sûre d'avoir assez de batterie, mais bon. Pas comme si vous m'aviez jamais vu faire de sport, de toute façon, hein. Malheureusement pour vous. En vrai, je suis dans un malaise palpable, parce que j'ai pas mes affaires de sport. Et comme je suis chez mes parents, j'ai forcément 2 ou 3 joggings qui traînent, tu vois. Et en l'occurrence...
Eh, on serait pas sur un joli style de sport là? Ah oui, j'ai oublié mon super t-shirt. Ça, c'est vraiment le t-shirt qui me motive. Allez, c'est parti mon kiki. On est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Break it again, break it again, break it again. Alors si vous me demandez, moi, mes séances que je fais, c'est le Alexia Challenge. J'ai aussi le TBC, mais comme Alexia c'est ma copine, je préfère lui faire de la pub à elle. Qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, sur internet, vous avez plein de trucs maintenant. Just Dance, j'adore. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des séances. Qui c'est qui m'envoie des messages là? Là, je suis en mode prof de sport là. Là, je suis en mode ça bosse. Je vais mettre là. Je sais pas si je vais réussir, mais on va tout donner. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps, alors, comme ça. Pop it out right here. Oh là là. Are you guys ready for my Latin challenge? Yes. All right. Bring my right here. Ah mais moi j'ai enlevé ça là. Yes. J'ai déjà trop chaud là. Au bout de 5 minutes. I got my girl with me. Ça va. Latin cardio dance. Right here. Lunge it out. Little samba lunge. Big circle. Bah attends, Franklin, hein, t'es chiant, hein, je suis mon sport là. And left. Left. Cam on the right. Ouais. Turn it to your left, right here, take it and down. When you're doing your lunges, make sure your knee. Bon, je vous laisse parce que c'est du sol. Yeah, it's a little flamenco wrist. Take ouais. It up. And down, come on. Hésitation, meilleur sport. En fait, tu danses quoi, la demi-heure, elle passe à une vitesse, ça fait trop du bien. Les filles, elles sont trop en bon bras, comme je suis sûre. Bon, faut que j'aille me changer, je vais pas aller chercher ma mère comme ça, faut au moins que j'enfile un jogging quoi. Oh, je suis claquée. Ça m'a fait du bien, putain. Je vous le conseille. Ah, je vous dis pas, regardez la dégaine. Oh, j'ai mis ça à l'envers, je suis en sueur. Les chiens veulent venir avec moi. Non, mais on va juste chercher la mère, hein, on va pas. Oh là là. Allez, tout le monde dans la bagnole. Derrière. Non, derrière. Allez, hop. Regarde tout le monde. Allez, derrière Franklin. Franklin derrière. C'est pas grave. Allez, tu restes devant. De toute façon. Oh là 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 là. Bon, j'ai récupéré la maman. Ensuite. J'ai fait pendant 2-3 heures les livres, j'en ai fait une cinquantaine, il m'en reste 100 à faire. En vrai c'est plutôt cool, je l'ai fait avec mes parents, du coup ça tient compagnie et ça se fait assez facilement, mais je vous ai pas filmé parce que c'est chiant. Et voilà, là il est 21h30, mes parents regardent Koh-Lanta, je vais me caler avec eux et je vais faire le montage de ce vlog. Franchement pour une première journée de confinement, si toutes mes journées sont comme ça, c'est épuisant. J'avais vraiment beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais tout est fait donc c'est cool. Pour ce week-end, j'aurai vraiment juste les vlogs et la mondaine à monter et les livres. Donc ça va aller. Ça va être un week-end cool. Je vais pouvoir avancer sur The Vampire Diaries. Enfin, en vrai, je les enchaîne. Hein. Je dis ça, mais je suis déjà à la saison 6 là. J'adore. Bon, allez, je vous embrasse et à demain.